Ah, Carl. J'espérais pouvoir vous parler de quelque chose. Il y a un site dans le désert nord. Il est plutôt ancien. Je m'y suis rendu durant mes premiers jours sur Jeddah, avant que l'Empire ne s'installe. Quel genre de site ? Il a été construit par ceux qui vénéraient les adeptes de la Force. On en sait peu sur eux, mais c'était fascinant. Ça vous intéressera peut-être ? On ira voir ça. Cal, mon ami, vous avez déjà fait connaissance avec Sir Task ? Je ne crois pas, non. Il faut aller vous présenter. C'est notre archiviste en chef, et même si elle ne l'admettra pas, elle a hâte de vous rencontrer. Je passerai la voir. Très bien. Mais prenez garde à vos manières. C'est une narquie pure et dure. Vous êtes allé explorer les ruines sur Jeddah ? J'y suis allé. Un endroit fascinant, bien que mes recherches aient été interrompues par la présence grandissante des Impériaux. À présent, il est trop dangereux de s'aventurer dehors. Et nous n'échangeons des communications qu'en cas d'extrême nécessité. C'est pourquoi je n'ai pas pu vous prévenir de mon retour, mon ami. Je vous présente toutes mes excuses. Nous sommes heureux que vous soyez indemne. Tenez-moi informé de l'avancée de votre expédition sur le terrain, mes amis. Cordova dit vous avoir trouvé alors qu'il cherchait d'autres Jedi survivants. Oui. J'ai encore peine à croire que le destin nous ait réunis après tout ce temps. Un coup de chance qui nous aurait bien servi pendant qu'on cherchait l'Holocron. Je sais. Chance ou destin, peu importe. Je me réjouis que mon maître soit avec nous, bien en vie. Oui. Et plus décidé que jamais à nourrir la flamme des Jedi pour résister à l'Empire. Va faire le tour des archives, Cal. On discutera plus tard. Heureusement que t'as pas eu à braver cette tempête. Et ça fait quoi de se retrouver aux commandes du Mantis ? C'est comme rentrer chez soi. Alors pourquoi tu es triste ? Ben, ça fait trop longtemps. Mes instincts de pilote sont émoussés. Je sais à quel point c'est dur de reprendre ses habitudes quand on a perdu la main. Ah oui, hein ? Enfin, je regrette d'avoir quitté le Mantis. Je continue de penser que je vais me planter. Tu es parti par nécessité. Je suis sûr que tu retrouveras tes repères rapidement. Oui, oui, d'accord. T'es un bon ami, Cal. J'ai encore du mal à piloter avec ce nouveau bras. Mais je finirai bien par m'habituer. Enfin, j'espère. Oh, c'est Maître Cordova ou Serré qui savent ça. Pas moi. Va leur demander à eux.
l'esprit fan face à la force des autres. La première tablette ne disait-elle pas « la force vitale fleurit » ? Perspicace. Elles sont complètement incompatibles. Nous cherchons la vérité universelle, mon frère. Si une tablette parle de faner et l'autre de fleurir, elles ne sont pas universelles, par définition. Mais alors, qu'ont-elles donc en commun ? Qu'ont-elles donc en commun, mon frère ? Eh bien, qu'il faut les lire. Plus de tergiversation. Ça doit être là depuis un bon moment. Je suppose que vous avez étudié le lemme de Seine. Oui, ma sœur. En effet, ma sœur. Alors, pouvez-vous m'expliquer le paradoxe du cinquième livre ? Seine explore l'antinomie de l'illumination. C'est un paradoxe sur le caractère inéluctable des cycles. Continuez. L'illumination est définie comme brisant les cycles. Mais d'après le canon, la vivre signifie subir le cycle. Plus nous cherchons à briser le cycle, plus nous l'incarnons. Mais en l'acceptant, nous vivons l'illumination. Et donc, nous brisons le cycle. Tout à fait. Et qu'en concluez-vous ? Je crois que le message est très clair. Il est impossible d'atteindre l'illumination par la raison. Ah. Le lemme a déconcerté bien des érudits pendant des siècles. Mais pour vous, sa signification est très claire. Rappelez-vous les canons. Il n'y a d'autre vérité que la vérité de toutes choses. Il n'y a d'autre savoir que la force de tous les autres. Mon frère, peut-être devriez-vous relire le cinquième livre. Et pendant que vous y êtes, relisez également les livres précédents. Oui, ma sœur. On a de la chance, BD. Il est bien préservé. Mon frère, je voulais vous dire, nous avons trouvé 2 douzaines de manuscrits hier. Impressionnant. Tout vient de la cage du Nord ? Oui. Les impériaux ont failli repérer nos chercheurs, mais ils connaissent le terrain. Bien. Pardonnez-moi, est-ce de l'indifférence que je détecte ?
Je pensais que tout contact impérial était important. De l'indifférence ? Non, ma sœur. J'hésite simplement à attribuer toute notre discrétion à nos talents. Avez-vous vu les visières qu'ils portent ? En effet, la vision périphérique est un lourd tribut pour se protéger du soleil. Oui, en effet. C'est si bon de te revoir, Meereen. Qu'est-ce qui t'amène sur Jeddah ? J'ai rencontré un groupe pendant mes voyages. Ils cachaient les personnes sensibles à la force de l'Empire. Connaissez-vous le passage ? Avez-vous trouvé quelque chose d'intéressant ? Un objet remarquable. Salutations, Jedi. Je m'appelle Sœur Task. Moi, c'est Cal. La nouvelle de votre arrivée s'est vite répandue, jeune noble. Maître Junda vous porte en haute estime. On a vécu beaucoup de choses, Serré et moi. Jedi regorge d'artefacts perdus liés à votre ordre, parmi d'autres traditions. Si vous découvrez des parchemins ou tout autre objet digne d'intérêt, je vous les échangerai volontiers contre d'autres trésors que j'ai exhumés. Je vous dirai si je trouve quelque chose. Nous avons une dette envers vous. Je voulais savoir... Vous voulez en savoir plus sur les ermites masquées qui ont aidé votre mentor, n'est-ce pas ? C'est ça. Nous sommes les Narki Anachoret. Nous étudions et vénérons la force qui se manifeste dans le savoir. Vous êtes des érudits ? Nous accumulons du savoir à l'instar d'autres érudits, oui. Mais nous croyons que le savoir exprime une vérité universelle. Et c'est ce qui nous guide. Par la sagesse, nous cherchons à percevoir les formes intangibles de la force. Avez-vous compris ? Je comprends qu'on décrive la force comme quelque chose d'intangible. Mais j'en ai une perception différente. En effet. Et nous n'avons pas la même perception de la force que vous, jeune noble. Pourquoi les Anachoret portent des masques ? Pourquoi les Jedi ont-ils un sabre laser ? C'est utile. C'est un outil. Oui. Quoi d'autre ? C'est un symbole. Excellent. Nos masques nous protègent du sable, des vents secs, mais ils symbolisent également notre vœu d'anonymat. C'est un sacré vœu. C'est un choix fort.
La voie est close, étranger. Je suis désolée, Jedi. Cette porte doit rester fermée. Nous avons repéré des patrouilles impériales. Je comprends. Les patrouilles devraient bientôt partir. Vous pourrez alors aller et venir à votre guise. Au rapport, ma sœur. Nous avons vu deux autres patrouilles sur la crête. Où allait-il ? Ils retournaient au sud. Ils ont manqué de peu une de nos caches. La tempête nous a protégés. Elle a masqué les traces de notre passage. Observez l'horizon. Contactez-moi s'ils reviennent. Oui, mon frère. Une vieille motojet Aratech. J'ai jamais pu en conduire.
Regarde un peu ça. Serré m'a dit que vous vous étiez formé au Temple Jedi sur Coruscant. Jusqu'à ce que je devienne le padawan de Maître Tapal. Ensuite, on a servi pendant la guerre des clones. Vous repensez souvent à votre vie sur Coruscant ? J'essaie de ne pas trop ressasser les souvenirs d'avant la chute de l'Ordre. Je vois. Cette vie, elle me paraît tellement loin. Et il s'est passé tant de choses depuis. J'ai souvent l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécu. Je crois que je comprends. Un peu. Merci. Je ne voulais pas raviver des souvenirs douloureux. Ça va, ne vous en faites pas. Je me demande ce que vous pensez de Jedha, jeune noble. On se sent seul sur Jedha. Le désert n'en finit jamais. Vous n'êtes pas le premier à dire cela. Jedha nous donne une conscience accrue de nous-mêmes. Et on ne se sent jamais aussi seul qu'en sa propre présence. C'est pour ça que l'Énarchy demeure ici ? La Lune des Pèlerins est notre demeure ancestrale. Mais c'est vrai, nous restons pour d'autres raisons. La Force résonne dans les doigts de Kyber, qui tiennent le cœur de Jedha. Comment vous avez fini dans ce repère ? C'est le site d'un ancien monastère, abandonné depuis longtemps. Lorsque nous avons quitté la ville pour échapper aux regards de l'Empire, Maître Junda nous a conduits ici. Les surplombs rocheux aux alentours nous offrent un camouflage naturel, et même les scanners en orbite ne peuvent pas percer la pierre. Serré a construit ses archives dans une forteresse cachée. Effectivement, jeune noble. Alors vous essayez de combattre l'Empire tout seul, c'est bien cela? Avec l'aide de quelques amis, oui. Où sont-ils en ce moment? Disparus. Je vois. Eh bien, vous ne manquez pas de courage, Cal. Et d'après ce que Serré m'a dit, vous bravez tous les dangers pour ceux qui vous sont chers. Mais n'oubliez pas, les Impériaux déformeront nos actions, aussi nobles soient-elles, pour servir leur cause.
Je m'en souviendrai, Maître Cordova. Comment vous avez construit ces archives avec les Anachorètes ? Nous avons commencé dans la ville sainte de Nijeda, en préservant ce que nous trouvions des traditions Jedi. C'est un endroit dangereux pour chercher des enseignements illégaux. C'était trop dangereux. Après un démêlé de trop avec l'Empire, j'ai convaincu les Narki de s'installer ici. Nous avons trouvé ce monastère abandonné, et décidé de construire ce que tu vois. J'arrive pas à croire que vous avez bâti tout ça en quelques années. Ça a demandé du travail, mais j'ai compris ma vocation, et je me devais d'y répondre. Et vous l'avez bien fait. Ça a été dur quand vous êtes parti. Comme si vous nous aviez abandonnés en plein combat. Je sais. Mais vous vouliez essayer de restaurer l'ordre, de retrouver ce qu'on a perdu. Le combat n'a jamais été votre objectif. Es-tu sûr que c'est le tien ? Les archives s'enrichissent, mais il y a encore beaucoup à faire. Je vous laisse travailler. Je m'occupe de faire tourner la boutique. Cal, attends. J'ai ça depuis que je me suis mis à mon compte. Ça m'a sorti de pas mal de problèmes, et je me suis dit que ça pourrait te servir. Meryn, c'est ça ? Je pourrais t'en avoir un autre si tu penses que tu... Pas besoin, Baud. Bon, bah ça va, on dirait. Mon maître n'a jamais aimé les blasters. Tu as dit un jour que ce n'était pas l'arme qui faisait le Jedi. C'est nous contre la galaxie, Cal. On doit utiliser tout ce qu'on a sous la main pour combattre l'Empire. Merci, Baud. Bon, je vais te montrer comment ça marche. Trooper est toujours en mouvement. Faut bien commencer quelque part. Et ben voilà! Pas mal, Jedi. Donc, tu travailles depuis quand pour serrer? Je ne travaille pas pour serrer. C'est vrai. Désolé. Détends-toi, Jedi. Concentre-toi et appuie sur la détente. Il en veut vraiment à ce mannequin. Cal n'aime pas les Stormtroopers. Comme tout le monde. Impressionnant. Je crois que t'as compris, Cal. Alors, où est-ce qu'on va en premier ? Sur Kobo ou sur la Lune ? Commençons par le labo de la Lune. Ça marche. Peut-être qu'on pourra y trouver quelque chose qui nous aidera à traverser l'abysse. C'est sympa de te voir, Meryn. Bonne chance, Cal. Je serai peut-être encore là à ton retour. J'espère. J'arrive pas à croire que Maître Cordova soit ici. Après tout ce temps à suivre ses traces. J'ai bien aimé faire sa connaissance. Je n'avais jamais connu un Jedi avec autant d'humour. Tu ne connais que Serré et moi ? C'est ça. BD a l'air prêt à partir. C'est une sacrée opération que Serré a mise en place. Qu'est-ce qui te fait dire ça ?
Toute cette roche, ça brouille naturellement les capteurs. Et s'il y en a qui passent malgré tout, les anachorètes auront plein d'eau à leur balancer. Je comprends comment Céré a réussi à échapper à l'Empire pendant si longtemps. Elle pense à tout. Elle garde une bonne partie de son pouvoir pour atteindre un objectif plus grand encore. Ouais, clairement, elle cache bien son jeu. Ça vous fait un point commun. On part quand tu veux. Prêt à bouger ? Pas pour la lune brisée. Peut-être que ces anachorètes sont pas si mal, finalement. Tu les avais pas traités de cinglés ? Ça, c'était avant que Céré me dise qu'ils aidaient les réfugiés à se cacher de l'Empire. Ah bon ? Ouais. Ils bossent avec un groupe qui s'appelle Le Passage. C'est du top secret. Ne le répète à personne, surtout. C'est compris. C'était sympa de revoir tout le monde. Ouais. Vraiment très sympa. Alors comme ça, Cordova pense qu'on découvrira comment traverser l'abysse dans l'ancien repère de Dagan. C'est ça. T'as déjà entendu parler du laboratoire sur cette lune, Grise ? Et je suis un latéraux très occupé et pas un guide touristique. Pas le temps de visiter des lunes brisées. D'abord Jedha, maintenant ça. Les lunes nous apportent que des ennuis. Jedha est une lune. Première nouvelle. On est arrivé. Attache-toi. Ça va ? Moi, je suis juste un peu rouillé. Et toi ? Un peu secoué, mais... ça va aller. Si c'est monsieur optimiste qui le dit... Hé, hey, fais-moi plaisir, tais-toi un peu. Tu me donnes des crampes d'estomac. Ça, c'est à cause de ta cuisine. C'était quoi, ça ? On y est presque. Les gens du coin disent que la lune est hantée. Ils auraient pas pu construire ce laboratoire dans un endroit plus ensoleillé. Ouais, mais si on pouvait trouver quelque chose pour nous aider à naviguer dans l'abysse de Kobo... D'après ce que dit Grise, cet abysse est un cimetière de vaisseaux. Et nous voilà maintenant dans un cimetière lunaire. Beaucoup de cimetières. On dirait, ouais. Je monte la garde. Tout ce que j'ai repéré jusqu'à présent, c'est un latéro nerveux. Jolie trouvaille. On montrera ça à Zed. Cette station est fermée. Ils sont là. Qui est là ? Nous avons été attaqués. Protocole d'évacuation en cours. Cette station est fermée. Il est dangereux de rester ici.
Ça me rappelle le complexe de la forêt, mais en beaucoup plus grand. S'était déjà rendu dans un laboratoire sur cette lune. Crié forcément derrière tout ça. Qu'il y a quelque chose après l'abysse. C'est ce que pense Santarikri. J'imagine que ça suffit au conseil. Bon, bah, c'est pas par là. Je pensais pas que cet endroit serait encore opérationnel. Il faut être prudent. On doit trouver ce labo. Secteur 5 à 9, hors service. Secteur 1 à 4, opérationnel. Statut de l'installation, actif. Statut du complexe, inactif. Que disent les relevés ? Ça ne tiendra pas. Nous devons encore renforcer cette chambre. Oh. On décore tout. Ça mal. C'est pas évident. Elle n'a pas ma garde. Attaque déviée. Ah ! Plus vite ! Je prends de la hauteur. Ah ! Il nous attendait. Bien joué. Cette fois. Oh.
Rosa! Fisher! Pathétique. Par ici! Allez! Sauvez-le, vermine! Vitesse! Ça a l'air de bien tourner. Encore. Un mauvais pressentiment, hein? Oui, moi aussi. À toi de jouer, mon pote. Vite, le steam.
un Magna Guard. Se trouve le laboratoire. Accès au laboratoire interdit. Le laboratoire est inaccessible. Ça va aller. Trouve un endroit où te cacher. Je n'y ai pas accès. J'ai essayé de leur dire. S'il vous plaît, laissez-moi. Les pillards ont vraiment traumatisé ces droïdes. Je n'ai pas accès au laboratoire. S'il vous plaît, laissez-moi. Ok. Bonne chance. On va rapporter ce disque de données à Z. Allons-y, BD1.
sens mieux. Bien joué, BD. Attention, BD! Pas encore fini! C'est une blague! Scan. Bon travail, mon pote. Secteur 5 Delta. Aucune anomalie.
Scan en cours. Secteur 5, Epsilon. Aucune anomalie. Eh hey BD, j'ai besoin d'aide. Secteur 5, Zeta. Une anomalie. Le ciel est brisé. Nous avons merci, été BD. Attaqués. C'est tout bon.